bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure américaine, toujours sur Far Cry 5, et on devait aller détruire cette gigantesque statue de Joseph Seed qui était tout en haut d'une colline. Et pour cela, je pense qu'on aura besoin d'un hélicoptère au minimum ou un avion. J'ai choisi l'hélicoptère, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que vous allez bien, que vous profitez évidemment du beau temps et tutti quanti. On y va en hélico, on va arracher tout ça hein, les gars, je vous préviens, je vais tout découper, tout ce qui se passe en haut de cette colline, ça va y passer. Et vous étiez nombreux à me dire en commentaire, B-Boy n'a pas remarqué la personne qui sautait juste derrière moi. Et figurez-vous que je l'avais remarqué en rendant la vidéo, et je me suis dit c'est quoi ce délire. Je vous avoue que je l'avais pas vu quand je jouais hein, vraiment quand c'était du gameplay. Et en regardant la vidéo j'ai dit attends, il y a un mec en train de sauter. Et il y a un mec qui était vraiment en train de sauter depuis la statue juste derrière moi. C'était assez insane. Je sais pas encore ce que c'est. Est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que c'est un mec il a voulu se foutre en l'air? C'est possible aussi. On va faire attention hein. On va faire attention à quelque chose qui m'a repéré. Je ne sais pas trop quoi. Pas vous mentir. Oui, on va en biais. C'est très nouveau pour un hélicoptère hein, les gars. N'hésitez pas quand vous êtes en hélico. Ah oui, bah. Ah bah oui, bah ça va vite, ça va vite. La statue, c'est un gros morceau de ciment. Quoi? Va falloir une arme lourde pour l'appliquer. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Eh les gars, je m'en occupe. Je m'en occupe. Considérez que c'est fait. Considérez que c'est fait. Ça reload. Ça dégage. On est pas mal. Ah! Ah! Putain. On peut voir votre grand nettoyage depuis à présent. Adieu, grosse merde en béton. Ok. Si vous voulez encore foutre le bordel, j'ai une idée. Mais ça tire à roquette vielle. Planque son exemplaire perso des délires de Joseph dans cette horreur. Grimpez dans la statue et brûlez ses feuilles. Montrez-lui ce qui arrive quand on s'en prend aux mauvaises personnes. Ça, je découpe, hein. Je découpe, j'en ai rien à foutre. Je sais pas ce que j'ai fait péter, mais je l'ai fait péter. Ok, on va rester dans l'hélico, on en profite. Je brûle tout, hein. Ok, on a un gars ici. Mais elle est énorme cette mission. Ah merde, bien joué à toi, t'as été le meilleur. Ok, on va peut-être sortir du véhicule, non? Alors j'ai peut-être une idée. No fake, j'ai une idée, j'ai une idée. J'ai une idée, on va monter, on va monter, on va monter. Le but est d'aller en haut de la statue. Ah non, faut de rentrer en bas, ah ça c'est terrible. Ok, allez on y va. On va ouvrir le para. Yo les gars, salut à tous. C'est David Lafarge Pokémon. Aujourd'hui on va faire un opening. Ok les gars, qu'est-ce qui se passe? Aïe! Je peux plus tourner ma vue! Aïe! Respectez. Eh, respectez mon autorité, ok? Oh, lui, il a une chance! Oh, lui, il a une chance! Il est mort! Hein. Il est totalement mort! Hein. C'est une chance! Elle a duré. Tu vois ce que je veux dire? Oh, mais il y a un hélico ici, incroyable! Quoi? Quelle est cette sombrerie? Oh! C'est passé, mon pote! Ouais, monsieur, hop, une petite patate, toujours la carotide, hein. Toujours la carotide, ça les empêche d'hurler. Ok, tu veux jouer à ça? Bon bah les gars, on y va. Hein. Hop, ça dégage. Hop, je te pille. Et maintenant, regardez bien. Voilà, ça c'est direct, c'est expéditif. Ok, très bien. Hop, c'était pas ici, hein. C'était pas ici, c'était totalement plus haut. J'ai du monde, je suis entouré. On va pas être bien, les gars, pour cette mission. Yo, les gars. Il y a une sombrerie, il y a une sombrerie avec ce fusil d'assaut. Il y a une sombrerie. Mon MP5 tire en... Oh mon dieu! Oh mon dieu, des terroristes! Mon MP5 tire en coup par coup, je suis pas bien les gars, je vous avoue. Ok, on va soigner calmement, c'est gratuit, ça mange pas de pain. On va passer par où maintenant? On va passer peut-être par... Waouh! Bien joué à lui. C'était un pré-shot grenade assez incroyable. Hein. Ok. Allez, voilà. Ça fait descendre quoi? Une échelle, hein, total. Levez la tête, il y a des hélicos qui arrivent. Ça, ça dégage très rapidement. Ouais, je suis censé faire quoi quand il y a des hélicos qui arrivent? Oh, doucement, 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 Pepito. Attends, mais un MP5 comme ça au coup par coup, c'est nul. Aïe! C'est rien. Aïe! C'est rien. C'est l'Amérique, je fais semblant que j'ai des douleurs un peu partout. Ok. Calmez-vous, calmez-vous. Ok. Oh, ok, ça, ça me plaît, mon pote. Je vois ce que tu as fait. Je sais ce que tu fais.
Allez, ça va. Je ne suis pas en colère. Juste déçu. Ouais, bah écoute. Mes fidèles vont venir te signifier mon mécontentement. Ah! Oh, cette précision incroyable de la part du joueur! Hongrois juste en dessous. Très bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Faut encore que je monte. Ok, et on monte par où là-dedans? Ah, par ici, d'accord. Ah, c'est chiant, hein. Les, comment on peut appeler ça, là? Les échelles, motoculptées, c'est terrible, hein. On y va. Encore? Vas-y, hein, venez, hein. Oh, ça, c'est... Ça, c'est injuste, hein. La vie est parfois injuste. Ça, c'est pris. Hop, on se casse. Personne n'a rien vu. Moi, j'ai rien vu. Vous avez vu quelque chose, vous? Ok, on continue les gars, aucun souci. Hop, ça je prends. Et ensuite on va où cette fois-ci? Ok, par ici. Très bien, ensuite par ici. Mais ça sert à quoi d'aller tout en haut de cette statue de mort? Que quelqu'un m'explique! D'où Jésus? On l'a déjà arraché! Pourquoi provoquer le diable? Comme on dit dans le milieu de tout ce qui est diablerie et sombrerie. Ah, peut-être pour le décor. L'envie de toujours en voir plus. L'envie d'avoir envie. Vive Johnny, elle était pour toi celle-là, mon frérot. Ok. Ok, c'est par ici. Incroyable, mais vrai, regardez ce joueur qui slalom. Oh là là, il y a quoi? Une Bible? Mon dieu, mais cet acte de provocation! Du Total Rebels! J'espère que t'as fait la paix avec le monde! Allez, mon pote, ça c'est fait, brûler le livre de Joseph Seed. Faux prophète terminé, ça va augmenter encore ma barre, c'est incroyable. Ça va vite quand on s'amuse. Qu'est-ce que tu as fait? Sa parole. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'il va me faire? Bah, oh, il va te mettre ce que tu mérites sûrement. Allez, go! Oh putain, c'est chaud, hein. Le parachute, faut vraiment l'ouvrir tôt. Aïe! C'était magnifique. Joseph Seed va en chier dans son froc et ça va chauffer. Non! Elle va devoir expliquer le bouquin brûlé et la statue explosée. Sacré boulot. C'était mon seul moyen de... Yes! C'était mon seul moyen de m'échapper! Yo frérot, qu'est-ce que tu fais là? Ok, civil sauvé, j'ai sauvé un civil frère. Ah, ils viennent me chercher, ils arrivent. Ah non, ok, d'habitude ils arrivent hein, quand il y a ça, mais pas du tout finalement. C'était un prank les gars. Ok, la statue, ça c'est fait, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? On a ici une mission. Ok, c'est quoi cette mission? Eden's Gate a mis la main sur une usine de traitement des eaux. Ah, il y a l'usine de traitement des eaux pas très très loin. On a le docteur Charles et on a des élites à récupérer un petit peu partout. Ça me paraît pas mal tout ça en vrai, vous en pensez quoi? On le fait ou pas? Bien sûr qu'on va le faire. Hop, on le fait de ce pas. Ok, par contre, 800 mètres, ça va être chiant. Ça va être très très chiant. On va rejoindre l'usine de traitement. Évidemment, je vais pas vous montrer tout le chemin. Ah, quoi qu'on parachute. Peut-être aussi. On va faire quelque chose d'intelligent, on va essayer. Pardon, je me trompe de touche à chaque fois. C'est terrible, le wingsuit. Et ouais, mon pote, tu t'y attendais pas. Même moi, je m'y attendais pas d'ailleurs. On va le prendre de ce pas. Normalement, ça devrait être beaucoup mieux. Utilisez là avec Shift. Et alterner entre le parachute et le wingsuit en plein vol pour couvrir plus de distance. Ouais. Yo! Allez, ça c'est pas mal! Ça c'est pas mal du tout ça! Oh là là! Oui mon pote, on en gagne de la distance! Incroyable ce wingsuit! Incroyable ce wingsuit! Mais quelle idée de génie, Gilles! Mais c'est incroyable! Je suis incroyable! Vous êtes incroyable! On est tous incroyables! Attendez, il y a une petite surprise. C'est dingue. Attendez. Non, je vais mourir. Pourquoi t'as pas sauté dessus? T'es un mec incroyable. En parachute, atterri, boum. Double pied rotatif, personne n'était prêt. Merde. Je me suis fait voler là, je suis désolé. Moi-même, je ne crois pas vraiment moi. Hop, c'est fait. Oh putain de merde, Jésus. Non mais... Il y a un arbre. Excellent l'Amérique, excellent. On est reparti.
C'est bien triste ce qui vient de se passer, mais c'est pas grave. On se lâche à 300 mètres, ça sera peut-être aussi plus raisonnable finalement. Oh, on a une plante, ça je prends. Hein. Je prends, c'est de la laitue sauvage, j'adore la laitue les gars. Prenez, n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. On a quelque chose par ici. On va prendre... Ah non, pas ça. On va prendre l'arme des familles, le snipers évidemment. Et on est parti. C'est à 200 mètres. Hein. Ça va, 200 mètres les gars, ça se fait. Ok, on a des biches ici. On a des méchants. Alors, ça c'est ce que je pourrais reprocher un peu au jeu. Alors des fois c'est cool. Donc c'est cool pour la mise en situation d'un let's play par exemple. Mais des fois c'est pas cool. C'est pas cool quand tu veux juste marcher, te balader et kiffer. Y a pas assez de blanc, voilà. Y a trop de... Tu te fais embêter toutes les 3 secondes, c'est assez terrible. Ok. Oula, lui il est stock. On a de l'élite par ici. Ah, attends, toi t'as voulu y échapper toi. Il n'y a pas de sonnette d'alarme ici. Hein. Ils viennent vraiment sur moi là. Ils viennent réellement sur moi. Attendez. Pas la peine de te planquer. Oh c'est beau, putain, bordel de merde. Ok, lui il est mort, hein, il est mort très rapidement. Ok, c'est pas grave. J'ai envie d'envoyer un petit C4. Hein. Ça, c'est la famille qui régale. Hein. Attends, je vais faire mieux. Ça dégage. Hein. Les VIP, j'ai pas le temps pour vos conneries. Hein. Ok, on va faire mieux. C'est quoi qui m'arrache là? Doucement, minute papillon. Aïe! Non! C'est terrible! Je me mêle au rocher. Lui, normalement, on est d'accord que... Voilà. Personne n'a cramé. Ok, on va pouvoir descendre calmement. On va essayer de se la faire full infiltre. Et on verra ce que ça donne. C'est foiré, hein. C'est foiré. En termes d'infiltration, on a vu mieux, je vous l'accorde. Je vous avoue que je n'étais point prêt à ça. Attends. Ok. Ok. Attends, il y a un mec qui vient comment là? Ah oui, d'accord. Il se relève vite, hein. Il se relève très vite, lui. Hein. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Laissez-moi tranquille, hein! T'as un peu fini toutes vos conneries! On a quelque chose, on a une porte sécurisée ici. Hop, ça dégage très rapidement. On a aussi quelque chose ici, c'est totalement entendez la parole, très bien. N'hésitez pas à revenir en arrière et mettre pot s'il faut. Donc là je suis dans le champ de drogue. Ah, il doit être sous drogue à chaque fois, issue de secours uniquement, très bien. Ok. On a des choses ici. Pas trop compris là, je vous avoue. Issue de secours uniquement. C'est fait normalement, non? Ah, peut-être ici, non? Bougez pas.
Non, pas du tout. Peut-être monter. J'ai de doutes, mais bon, pourquoi pas. Alors là, trouver le moyen d'accéder aux pompes. D'accord. Trouver le moyen d'accéder aux pompes. Mais c'est ultra sécurisé en fait. Y a pas un petit cabanon, y a rien. Je rappelle que la drogue c'est mal encore une fois. Peut-être... Non, par ici, sérieux? Ok, c'est ce qui me semble le plus logique, hein, pour être honnête avec vous. C'est ce qui me semble le plus logique par ici. Ok, on va les voir. En plus, c'est là où ils mettent leur drogue, ça va être terrible. Ça va être terrible, c'est pas le meilleur moment de ma vie. Mais je pense que c'est par ici. J'aurais même pu le faire sans tuer personne, je pense, vraiment. Mais bon, c'est pas grave. Chose faite, j'ai vidé le camp, aucun souci. Et une fois cette mission terminée, à mon humble avis, il y a une demoiselle qui risque de venir me kidnapper. Ok, on y est, c'est bon. On est dans le premier, aucun souci. Tu peux arrêter l'eau, mais rien n'arrêtera la grâce. C'est pas grave. Ok, j'ai tenté. D'accord, oui, je vois. On a quelque chose hein, ici, hein. Je ne sais pas quoi, mais on a quelque chose. Ça, je peux crocheter. Ça va mettre un petit peu de temps. Ok. Je prends 250$, les gars. Comment on détruit ? Ah ! Je vois. N'en dites pas plus. C'est terrible, hein. Cet épisode est terrible ! Merde ! C'est donc ça, l'Amérique ! Ah ! Ok, ça, c'est fait. Sortie de secours déverrouillée. On apprécie... Bon, ils ont tout fait péter pour moi, hein. Ça m'a saoulé cette connerie. Allez, on se casse. Et maintenant, il faut aller trouver l'autre. Bah, l'autre, c'est simple. Je pense que c'est tout simplement dans l'autre cul. Ouais. Les culs d'ici, pourquoi pas. Ouais, j'ai plus envie de tomber dans le panneau, hein, comme on dit dans le milieu de tout ce qui est panneau. Ok, donc je suppose que c'est... Ah, attends. Je suppose que c'est par ici. Je vais mourir. Je vais mourir dans d'atroces souffrances. Attendez. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas ici? Quelle est cette sombrerie? Ah, excusez-moi. Excusez-moi s'il vous plaît. Là, c'est la drogue hein, qui fait que je n'arrive pas à naviguer comme un colis. Attends. On va essayer quelque chose. Ça a marché ou pas? Ça a totalement marché. Allez, on y va. Hop, poussez-vous, excusez-moi. J'ai tiré totalement au hasard, mais c'est bien. Les balles continuent. Non, je vais mourir. Je vais voir des choses là-dedans. Peut-être un requin. Peut-être deux requins. Peut-être cinq requins l'un à la suite. En file indienne. Peut-être des requins avec des jambes. Mais je vais mourir, en fait. D'où Jésus. Ok. Et ensuite? Et ensuite, c'est par ici. Très bien. Allez! Ça c'est fait, on détruit les dernières pompes. Comment on détruit cette connerie? On va se mettre ici. Allez, ça dégage. GG les gars, il n'y a pas d'autres coffres? Ça serait cool, hein. Mission complete! Et on fait pas mal de missions en vrai. Bon, là on en a fait deux, mais c'est pas terminé. Je pense qu'on peut encore en faire. Je vais me faire kidnapper un niveau plus. Ça va être terrible. Niveau de la région. Bon, passé. Tu fais un sacré boulot, c'est vrai. Mais Face aime pas qu'on lui désobéisse. On nous signale une patrouille armée le long de la rivière. Et on dirait bien qu'elle a envoyé des élus. Les membres les plus durs de la secte. Fais bien gaffe à toi. La brume arrive, ça va te faire halluciner. Et si tu restes dedans trop longtemps, tu pourrais bien finir comme le Marshall. White Horse, terminé. Convoi armé. Ok, très bien. Je capte plusieurs conversations. La secte est furieuse pour la station de traitement des eaux. Ils vous en veulent. Bien joué, officier. Ok. Attendez, il y a du monde partout ici. C'est terrible, Montana. C'est le même bruit que tout à l'heure. Allez, ferme-la.
Mec, t'es là, tu vois rien, gros, ça va aussi, hein. Pas que ça fout, hein. C'est de la connerie, tout ça. C'est de la gnognotte, comme on dit dans le milieu, tout ce qui est gnognotte. Très bien, on continue. Eh, les gars, on va pas s'arrêter en si bon chemin. On va faire une petite mission. Qu'est-ce qu'on a qui peut être sympa? J'irai bien ici. J'irai bien ici. On va libérer... On va libérer les animaux. Toujours viser les animaux en premier. On y va. On se donne rendez-vous là-bas directement. Et on aura un élite supplémentaire. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. À tout de suite, tout le monde. Il y a toujours rien ni personne. C'est bon. C'est gentil, mais quelle est cette sombrerie? Nouveau personnage, Miss Mable, ok. C'est très bizarre. C'est bien ma veine. Je peux faire aussi une croix sur mes bijoux. Bon, je me fiche de qui vous êtes. J'ai besoin d'aide. Ces petites merdes ont débarqué chez moi pour tuer ma pépèche. Et elle a fugué pour se venger. Connaissant pépèche, elle doit se faire un vrai festin avec ces hippies. Elle doit rôder dans le terrain de camping d'à côté. Ça pue les dessous de bras et la charcuterie là-bas. C'est forcément que ces crétins de fanatiques traînent dans le coin. Allez la chercher et prenez ses biscuits avec vous. C'est comme cette petite pute de Drumman à la marina. Elle vous suivra au bout du monde pour une gâterie. Oh. Maintenant, ramenez-moi ma petite chatte. Ok. Allez, on y va. Ça a combien de mètres, cette connerie? Je ne sais pas du tout. Allô? C'est Miss Mabel. Ok. Allô? Attendez. Là. Voilà. Ok, on est parti. On va prendre les appâts, très bien. Et on va voir un petit peu comment s'en servir. Très bien, ça c'est son enclos. Rejoignez le camp voisin. Alors, c'est là que je me pose des questions. Sûrement ça, non? Ok, c'est sûrement ça. Je vois que ça. On va y aller, je prends l'arme lourde, hein, parce que ça peut partir en couille très très vite. On va voir un petit peu comment ça se passe là-haut. Je pense qu'elle a été kidnappée, mais bon, on sait jamais. Quoi? Quelle est cette sombrerie? C'est des zombies, hein. C'est des zombies, c'est terrible. On y est presque. Ok. N'hésitez pas à mettre pause pour lire, encore une fois. C'est par ici. On y est presque. Ça c'est fait. Équipez-vous des friandises. Comment je fais? Ramenez Pépèche à la maison. Je peux le caresser? Je peux le caresser ou pas? Je crois que j'ai friandise infinie. Il arrive, hein, il vient de loin. Ok, d'accord, je comprends. Ah, ah. Allez, ça dégage, hein. Ça dégage totalement. Hop. Ça me fera de la bouffe en plus. C'est des snipers, snipers à l'arc, très bien. Ok, pourquoi pas. Ça se prend. Attends, j'ai fait le con. Non, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est là, vas-y, viens. C'est bon. On y est presque. Oh, il était sympa, cet élite à ramener. Il était très sympa, en vrai. Rapide, efficace, j'apprécie. Bon boulot. Allez, c'est là-bas. Ça, c'est fait, hein. Géant,
Ok. Allez, c'est parti. Mitraillette time. Mitrailleuse time. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Réveille-toi. Ouais, t'es pas très solide, frérot, hein. Boomer était aussi solide, hein. Allez, viens. Photo. Regardez, il va ouvrir la porte normale. Hop, voilà. Ça c'est fait. Parlez à Miss Mabel. Je suis là, ma grande. Si vous attendez une récompense pour avoir fait une bonne action, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Entre nous, j'aurais pas cru vous revoir un jour. Vous aviez pas l'air d'être une lumière. Mais j'admets que j'avais tort. Mais dites-moi, pourquoi vous garderiez pas cette minette? Ça m'a fait des vacances pendant quelques jours. J'avais pas à m'occuper d'elle tout le temps, lui filant à boire et à manger. Allez, adieu, on en a fini. Allez, c'est terminé. Ça, c'est cool. On a un nouvel élite. Regardez, regardez comme ça monte vite. Hein. Oh là 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 là, ça va très très vite. Ça commence à aller à une vitesse. Ah, il n'y a pas de bande d'arcade, d'accord. Les posters suffisent pour jouer. Tu ressens sûrement de la confusion. Tu dois choisir parmi tant de chemins. Que croire? Qui aider en premier? À quel moment faire confiance? Quand tu trouveras la voie, tu y verras plus clair. Suis-moi et je te montrerai la voie. Alors, je sais pas vous, mais je trouve qu'on a super bien avancé dans cet épisode. On va s'arrêter là, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et j'ai reçu une bénédiction d'où Jésus de Nazareth. Ça, ça fait plaisir, bien évidemment. Je suis très souvent béni. Hein. C'est la région où tu es béni des dieux, apparemment. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très très vite pour le prochain épisode avec ces deux missions. Et en plus de cela, on ira libérer soit le camping, soit Marina. Ouais, ça me paraît pas mal. Honnêtement, ça me paraît pas mal. Je vous fais des bisous. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.